What's up guys et bienvenue dans cette vidéo gameplay un petit peu particulière. Le format de la vidéo est XXL. Nous avons décidé de vous transporter au cœur même de l'escouade de la M-SOC-19 durant l'opération Vortex. Cet événement a été créé par Bassin Airsoft, dont le président est Mojo. On le remercie au passage ainsi que toute son équipe de bénévoles qui nous a offert une prestation des plus remarquables. Bonjour à tous, je suis donc Mojo, le président de l'association Bassin Airsoft et donc l'organisateur référent de cet événement ô combien compliqué à organiser. Je remercie Fred pour cette collaboration qui me permet entre autres de faire un débrief de cet événement. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, nous allons remettre le contexte. Nous sommes dans un futur proche, semi-post-apo, avec une pointe de science-fiction comme on aime en rajouter. Comme on aimait en rajouter. Trois camps s'affrontent sur une base de l'un des clans, le consortium Vortex. Les deux autres camps sont donc l'URSS Résistance et les mercenaires des Filius Satan. Comme j'ai dit, c'est un événement Airsoft qui dure 48 heures, du vendredi soir, 21h, jusqu'au dimanche après-midi, 15h. Bien sûr, ce n'est pas un jeu non-stop, c'est entrecoupé de pauses pour que le joueur puisse se ressourcer, se reposer afin d'être frais et dispo. Ça se passe où ? Ça se passe dans le sud-ouest de la France. La météo était clémente quand elle voulait. Le taux d'humidité était assez important, il y avait quand même du soleil. La nuit, on s'est pris un petit peu le déluge, mais ça a passé. Le type de partie était axé sur du roleplay, du milsim, saupoudré d'une touche de post-apo. Bassin Airsoft a mis les bouchées doubles pour donner aux joueurs la meilleure expérience de jeu. Je vous laisse découvrir les différents véhicules qui étaient présents lors de l'OP. Avec le VVRG. Avec la participation de la DCA. Et l'aimable participation de la Belle de l'Essence. Ces véhicules proviennent de la société de production PKW. Si vous êtes intéressé pour louer ce genre de matériel, je vous mets les liens en description de vidéo. Comment préparer ce type d'événement? Tout d'abord, il faut se mettre dans la peau du personnage. Pour déjà vous mettre dans la peau de votre personnage et mettre un contexte, une histoire, j'avais créé plein de petites vidéos. Ces trois vidéos, on pouvait voir chacun des camps parler et voir quelle était plus ou moins son ambition. Nous, la MSOC, on était dans le camp URSS Résistance. Pour préparer ce genre d'événement, il faut s'équiper un petit peu dans le thème approprié. En l'occurrence, c'était un thème post-apo, comme je viens de le dire. Donc, on s'est dit, on va créer des petits éléments, comme ceci. Voilà. Ce sont des petits gris-gris réalisés en 3D par Papy 3D qui les a réalisés. Même si nous ne sommes pas des grands role-players, on a décidé quand même de mettre un petit peu de sous là-dedans pour quand même garder l'esprit post-apo. Et ce qui était imposé, c'était d'avoir une tenue certes américano-communiste, mais avec une petite touche apocalyptique. Notre équipe était hétéroclite. Nous avions des joueurs extérieurs, des joueurs novices, des joueurs expérimentés, mais dans l'ensemble, la squad de la MSOC 19 avait de très très bons joueurs. On a eu un jeu qui était, et j'en suis très fier, qui était efficace. Et encore merci à toute l'équipe d'avoir joué le jeu et d'avoir fait l'effort de se mettre dans le bain et d'avoir eu cet état d'esprit qu'on recherche partout, qui a un état d'esprit de fair play, de bon jeu, d'entraide et de fraternité. Passons succinctement au déroulement de l'OP. Nous avons commencé la partie à 21h le vendredi soir, jusqu'à minuit.
pause jusqu'au lendemain 10h, avec un briefing à 11h et après une partie non-stop jusqu'à 1h du matin. Et c'est rebelote le dimanche 10h, 15h. Voilà comment se déroulent les parties généralement sur bassin airsoft. Et c'est vrai qu'avec le recul, ça ne sert à rien de faire un jeu en continu. Les joueurs sont explosés, sont fatigués et l'organisation en souffre. Là, ça met un bon rythme et ça permet à chacun de se reposer. Voilà, on en a terminé avec cette première partie. Maintenant, passons au gameplay. Cette phase de jeu va vous être présentée via trois points de vue différents. Celui de Vincent, R17, Fred de la chaîne YouTube Fred Airsoft Player et moi-même R03. Une icône sera présente en haut à gauche de votre écran pour que vous sachiez qui filme la scène. On arrive sur zone le vendredi. Notre première mission est d'aller chercher des munitions et du carburant. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Cette mission semblait très simple. On pouvait facilement la faire en une demi-heure, voire une heure, sauf que la météo était peu clémente, pas beaucoup de lumière, beaucoup de nuages, et surtout une végétation trempée. Nous étions trempés même pas une demi-heure après avoir commencé la mission. Donc déjà, on savait pertinemment que le lendemain allait être compliqué. Mais nous avons tout de même réussi la mission au bout de 3 heures. On n'a pas tiré de billes, on a eu quelques petites frayeurs parce que oui, il y avait quand même des ennemis en face, il y avait des véhicules, ce sont des patrouilles armées, donc il fallait être le plus discret possible. Nous n'avons pas tenté le diable car nous étions équipés que de notre PA. Et au bout de plusieurs heures de marche dans les bois très contraignantes, les dites ressources, munitions et carburant pour les véhicules le lendemain. À la suite de cette mission, le samedi matin, le commandant nous regroupe au QG. Mais ces chiens capitalistes, qui ont déjà le sang de milliards de personnes sur leurs mains, refusent une fois de plus de partager les ressources vitales pour le reste du monde. Mais c'est terminé! Nous ne laisserons plus ces traîtres avides et égoïstes impunis. Nous allons reprendre le contrôle de ces ressources et nous anéantirons le consortium pour le bien commun. Il nous fait avancer et nous délivre cette récompense. Et on vous décore de la distinction suprême. Merci. Voilà, c'est pour tout ton groupe. Mon binôme. Ça, c'est beau. Tout ton groupe. Tu me diras pas que t'es sauvé les miches. Cette récompense est attribuée à toute équipe ou joueur faisant preuve d'une belle action. D'une action de fair play. Une action de dévouement dans une mission. Et c'était le cas pour la nôtre, pour notre sacrifice, si je puis dire, pour avoir permis à l'ensemble du camp URSS d'avoir des munitions pour se battre directement quelques heures après. Notre première mission a été de défendre le camp, de repérer les différents points d'accès où l'ennemi pourrait éventuellement s'infiltrer. Les chemins ont été minés, on en profite pour manger avant le début de la prochaine mission. La première mission qui nous a été attribuée était d'aller au contact de l'ennemi et soutenir nos alliés sur zone. Tu fais confiance, t'as... Attends, tu me fais confiance, il faut que je regarde par où on va quand même. Là-bas. On se familiarise avec l'application Ares Alpha qui permet à la squad, aux joueurs, au commandement de voir l'état des troupes en temps réel. Chaque camp à son propre Ares Alpha avec ses objectifs de mission et les différents joueurs sur la carte. Tant bien que mal, nous arrivons à nous repérer et nous prenons le chemin vers la zone que le commandement nous a attribuée. Stop. Faut pas qu'il nous tombe. Est-ce que tu peux aller, tu crois, de l'autre côté ou pas? Ouais, tu veux. La rivière?
sont des mecs à nous, je répète, ce sont des mecs à nous. C'est sûr. Tu les vois ? Il avance depuis tout à l'heure sur le chemin. Durant notre progression, on fait souvent appel au drone. Le drone est l'outil indispensable pour l'observation, l'infiltration et la capture de renseignements. Avec le drone, nous pouvons voir un ennemi arriver à plusieurs centaines de mètres. Et c'est ce que Fred fait. Je lui demande de faire décoller le drone pour avoir un visuel sur le chemin. Heureusement pour eux, les gars qui reviennent vers nous ne sont pas ennemis, mais nos alliés. Et là, c'était les gars qu'on venait soutenir. Bref, on continue la mission, on attend les ordres du commandant. Les premiers ordres tombent. Nous allons checker un point, un checkpoint. Ce checkpoint, on doit trouver des trucs, des artefacts, bref, ça reste assez vague, on ne sait pas ce qu'on cherche. On regarde sur la carte, bon, il n'y a rien, pas d'informations. On fait une demande au commandant, savoir ce qu'on fait maintenant. Les ordres passent plus ou moins bien. Le terrain est vallonné, les communications passent mal. On prend donc la décision d'aller faire de l'exploration. La zone qui nous intéressait est contaminée par des radiations. On ne peut rien faire à part la contourner. Et c'est ce que nous allons faire. Ok. Les mecs à la lampe, c'est pile là. Merde. Ok. Merde, excuse. Étang central, champ est, c'est là. Ouais, c'est, en fait, est-ce qu'on reprendrait pas le même chemin ? Ouais, je serais d'avis de là de sortir du chemin à partir du terrain. Okay. Et de faire comme ça. Ok, ça si roule. On arrive sur le chemin, ils vont nous voir arriver. Ok, ça marche. Nouvel objectif, on se dirige vers le point Alpha, qui est à environ 1 km de marche. Durant l'exploration de la zone, nous tombons sur ce qui semble être des bâtiments. Nous ne savons pas encore ce que c'est. Il s'agissait en fait du camp de Vortex. Troublante situation, on fait quoi ? On avance ou on rend compte au commandement ? La situation. Nous prenons la décision tout de même d'avancer en direction du camp. Fred, qui est en tête de colonne, s'avance sur le chemin. Je suis derrière, Lucas, le radio, est derrière, et encore à la fin de la colonne, il y a Sylvain qui est le médic. Sur ma gauche, trois coéquipiers nous couvrent pour éviter tout débordement. Ça bouge à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Tout à gauche. Contact, 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 en face de toi. Contact chemin, je répète, contact chemin. À droite, il n'y a personne, nous sommes assez exposés. Grâce à nos tenues de camouflage, on arrive à se fondre dans le décor. Quelques minutes passent et nous voyons des Pax, des contacts de chez Vortex descendre tranquillement le chemin. Fred engage les premiers Pax. S'ensuit un combat de plusieurs minutes. Derrière, derrière, derrière. Un autre contact derrière lui. Ça avance, ça avance.
Heureusement que nos gars sont sur le flanc gauche. Car en plus d'avoir des gars de chez Vortex, se greffent des Mercos, des fils de Satan. Mais ça, nous ne le savons pas encore. C'est très confus. Des rafales de billes sont envoyées dans toutes les directions. Nous sommes en contrebas, les ennemis ne peuvent pas nous toucher aussi facilement. Fred pour Pierre, je répète Fred pour Pierre. Est-ce que vous avez un visuel ? Voilà. Maintenant, regarde le côté de l'arbre, à gauche. Ouais, il y en a un. Lève-toi. Là. Tu l'as vu ? Ouais. Bien joué. Baisse-toi, il y en a à gauche, toujours à gauche. Hein. Ok, je revois le mec. Après quelques minutes à attendre que ça se calme, nous décidons quand même de progresser un petit peu plus et d'interroger le joueur qui est out. Malheureusement, il n'a pas d'infos à nous donner, donc on préfère le zigouiller. Fred, t'as un couteau ? Oui, je répète, j'ai un couteau. Corps à la liberté. Mon Dieu. Pierre, Adrien, Vincent, on avance sur le chemin, je répète, on avance sur le chemin. Ils nous ont vus, on est repéré, couche-toi, on est repéré. Grenade ! Vous ne le verrez pas parce que je ne l'ai pas filmé, en tout cas de mon point de vue, mais nous sommes restés plusieurs dizaines de minutes. Ce que vous voyez, c'est un condensé de la scène, mais elle a quand même duré une heure et demie. J'ai préféré éteindre ma caméra pour garder encore un petit peu de marge de manœuvre sur les différentes actions futures. Donc j'ai éteint ma caméra, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a une action qui est digne d'un film. Je pense pas qu'ils sont en route. J'étais dans leur tête, mais... Putain, le gars il s'est décalé. Cascade, il s'est décalé. Out, bien joué. Tu me stabilises. Ouais. Ok, et maintenant ? Ouais, je suis dans la merde, gros. Décollé, mon petit. Oh putain ! Allez, on recule. On dit reprise ou pas ? Bah, oui. Ah, il me semble pas, c'est silencieux. Putain, j'en ai un qui arrive. Un Pax, sur la route. Putain, j'ai foutu un coup de lampe, quoi. Caché, bien camouflé, je m'étais mis des branches dessus, j'avais pris un peu de terre, bref, j'étais invisible. Je tourne ma tête légèrement et je vois 5 packs de chez Vortex sur ma droite.
C'est l'une des premières fois où j'ai ressenti mon cœur battre, une dose d'adrénaline se dissipe dans tout mon corps. Je suis tellement stressé et excité de voir que le mec est à côté de moi, littéralement à 2 mètres de moi, que je préfère ne pas bouger, ne pas prendre une de mes répliques et le sortir. Et c'est grâce à Vincent qui a vu la personne qui était juste derrière moi s'avancer vers lui et l'a mis out. Ses autres amis ont préféré prendre la fuite à la suite de différents tirs de riposte. Ouais, ouais, heureusement, parce qu'il aurait été très compliqué de sortir sans perte de cette situation. Oh putain! Merci! Oh. Putain, il a accepté le kill quoi! Voyant la situation stagner, nous préférons faire un repli stratégique. Il a accepté le kill, c'est cool. Ouais, mais je sais! Vous l'avez quelque part? Elle est là, putain! Allez, vite, vite, vite! Il fonce! Putain, tu me dis de partir, au moins il me tire dessus! Bah ouais, c'est pour ça. Chut. Oh mec, il est con. Putain. Ça c'est de l'action, la vraie. 2h30 de combat. Ouais, ouais. T'appelles ça un combat? Durant ce repli, on se dirige vers le campement de notre base pour faire un rapport. Pendant le retour à notre base, nous avons entendu un bruit de char. On s'est vite précipité dans un des accotements pour voir si le char était côté Vortex ou le char était côté URSS. Et là, c'était un petit peu le flou. Même là encore actuellement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bougez plus, bougez plus! Bougez plus! Les gars, possible débarquement de troupes, je répète, possible débarquement de troupes. Chut, chut, il est là. Il débarque. Où ça? On s'enfonce dans les bois, les gars. Poupou, il y a un roncier qui sépare ton groupe avec le mien. Nous avons vu le char partir et nous avons vu des gars revenir. On était dans le bas-côté, on n'avait aucun visuel. Vincent demande si c'est des alliés, ils n'entendent pas, on n'entend pas ce qu'ils disent, et Lucas, bon, dans le doute, préfère jeter une grenade. Aïe! URSS allié! Identifie la cible. Russe! Putain! C'est à nous. Une grosse merde. J'aurais demandé confirmation et je me couche. Du coup, je me couche comme une grosse merde. On va attendre 100. Passons là nous. Non, notre véhicule. Oui. Ah. Notre véhicule est bien rentré. Donc nous après on est descendu pour vous aider. Le blindé à eux est arrivé. Ouais, on l'a vu. On a attaqué. Il y a eu un autre blindé qui a été détruit apparemment. Le bleu. Les
mercenaires ont volé le blindé dans la marée au vortex. Ouais, bon, ouais. Merci. Et derrière, du coup, ils se sont barrés. À ce moment-là. Ils se sont barrés, merci. Au final, c'était bien des copains qui étaient venus nous aider. Le commandement avait bien pris l'information qu'on était dans une galère sans nom. Le problème, c'est que les gars ont mis un peu trop de temps à venir nous soutenir. C'est une histoire quand même qui s'est bien terminée. Les gars ont repris leur jeu et nous, on est rentrés se reposer. Voilà, nous sommes le samedi 17h30. Nous avons pour objectif de rejoindre l'étang central. Le commandement nous a assuré qu'un char viendrait nous récupérer pour nous amener sur zone. Que nenni ! Alors, non, mais c'est marrant, mais c'est pas marrant. Le char est passé devant nous, rempli de nos compagnons, et nous a laissé sur le bas-côté. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'une embuscade est étendue un petit peu plus loin, et ils se sont fait massacrer. L'opération d'embuscade a été réalisée par l'équipe des Merco, les fils de Satan, ont capturé notre char, et nos copains sont rentrés la queue entre les jambes. On est en contact avec des Merco, je répète, on est en contact avec des Merco. S'en est suivi des légers affrontements. Bon, rien de bien concret, c'était très sporadique. Lucas, tout le tank s'est fait démonter, je répète, tout l'effectif du tank, homme et blindé, s'est fait démonter. Oui. Il y a un petit chemin là. On est à ta droite, sur la hauteur. Bref, on monte, prendre de la hauteur. Tu bouges pas. Allonge-toi par terre, s'il te plaît. Allonge-toi par terre, sur le ventre. Avance vers nous. Avance vers nous. Ok, stop, arrête-toi. Stop, arrête-toi, arrête-toi. Les mains bien en évidence. Qu'est-ce que vous faites ici? Le joueur capturé s'est bien gardé de nous dire les informations qui nous intéressaient. Leur but premier était de déterrer les artefacts grâce aux machines d'excavation. Tu rentres vers nous. Ouais, avec les mains dedans. Sinon, on va te faire mal. Voilà. T'as de l'or sur toi? Ça, c'est un foulard de cette année. C'est noir. T'as de l'or? Non, j'ai pas d'or. Comme vous le voyez, nous avons capturé un joueur. Filme-moi la radio. Le joueur n'avait pas d'intérêt, on va dire, stratégique. Nous avons préféré quand même pas prendre de risques et le mettre out définitivement. Bon, voyant que la situation était pas claire, que le commandement ne répondait pas, que Lucas, qui était dans notre radio, n'arrivait pas à les joindre, et on n'arrivait pas à le joindre parce que lui était resté au camp, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attaquer à 4, le camp Vortex, c'est ridicule, on va se faire pulvériser. Donc on a préféré se mettre dans une petite zone boisée. Oh, regarde l'application, ils sont où les gars? Les gars, venez là. Tu m'entends quand je dis Lucas? Quand j'appelle Lucas, vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Mettez-vous derrière nous. Et hop, je suis invisible. Ouais. Nous, baisse-toi. On doit être trop loin. Ouais. On va remonter, ok? Elle saute pour commandement. Fred, tu m'as mis sur le bon canal. Oui. Cette zone est particulière parce que c'est un croisement. Vous avez le camp Vortex, le camp Merco et le camp URSS. Et tout le monde se rejoint au même endroit. C'est un endroit stratégique. Durant notre repli, nous avons vu que des petites unités de Merco se dirigeaient vers le camp Vortex. On s'est dit, bon, allez, contact. On va essayer d'en flinguer 2-3 et voir ce qu'il en est. Contact. Au final, nous avons perdu quelques soldats en cours de route. Il s'est avéré que, en fait, ils étaient bien plus nombreux que ce qu'on pensait. On a préféré s'enterrer dans les petits taillis, dans les petits fourrés et laisser passer la tempête. Il y en a sur la gauche. Et demi-tour. Out! Thank you.
nous rebroussons chemin et on se rend compte qu'il y a encore des mercos qui sont dans les fourrés. C'est bon, viens, Mathéo. Soigne-le, c'est bon. On va vous stabiliser. Mettez-vous à genoux, les gars, s'il vous plaît. On va vous stabiliser. Non, certainement pas. On commence par le premier. Mets-toi derrière moi. Va te mettre un peu plus en avant. Faut être trois. Non, il s'avance un peu plus. S'il bouge. Non, on va pas. Vas-y, tiens. On va booster. C'est que eux, s'ils attrapent une de nos répliques, ils vont pas hésiter à tirer. Mais pour ça qu'ils vont lever les mains en l'air. Non, pas encore. On les stabilise et on leur pose des questions. Et c'est à ce moment-là où on a peut-être pris trop de temps. Derrière nous, il y avait d'autres mercos. Et je vous laisse voir la scène. T'es out? Ouais. Faut le stabiliser. Out! Oh non! Erreur de notre part. Nous nous sommes attardés sur des cibles qui n'étaient pas prioritaires. Et ça nous a entraînés vers notre perte. Après cette retraite stratégique infructueuse, nous avons pris une petite pause pour nous préparer au jeu de nuit. Le jeu de nuit n'a pas été filmé, en tout cas par notre équipe. Mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte, notre mission était claire. Protéger le missile qui devait servir à détruire un astéroïde, mais sans carburant, impossible de réaliser cette prouesse. Donc, on avait pour but unique d'aller chercher du carburant pour alimenter les propulseurs. C'est ce que nous avons fait, non sans perte, non sans mal, et bien sûr en donnant un petit peu de notre personne, car c'est à ce moment-là que la pluie, le vent, la tempête s'est déchaînée. Nous étions plus beaucoup sur le terrain, chacun était rentré plus ou moins dans son camp, et nous avons quand même terminé la mission de remplir les réservoirs pour faire décoller la fusée le lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, courte mais efficace, nous avons repris les missions. Il est plein dedans. Avancez. Ils allaient nous tirer dessus là. Non, c'est le pilote tout seul. Il est plein. Grave la place. Regarde, devant, il n'y a rien d'autre. Messieurs, bien bonjour. Ça marche, bro. C'est marrant, il est en train de se barrer, on n'est pas dedans. Et il a dit, quand ils reviennent, ils nous prennent. Nous avons pris l'initiative d'attaquer le camp des mercos. Bon, on aurait peut-être dû regarder avant les objectifs. Je vais vous expliquer pourquoi. On passe par où? Il y a un chemin là? Je sais pas, je suis jamais allé. Attends, on fait un point à l'est. On est là. Ouais. Le camp sataniste, il est là.
En gros, faut qu'on continue sur la route jusqu'à voir l'autre étang. Là, c'est le camp Vortex. Ok. Là, c'est le bonhomme en rouge, c'était la mission de tout à l'heure. Mais on l'a effectué. Il demande à le côté. Prends le chemin, on prend le chemin. On prend le chemin, les gars, je répète, on prend le chemin. On se dirige vers le camp Merco. On ne sait pas où on va. C'est un camp qui est vraiment au nord de la carte par rapport à nous. Nous sommes totalement seuls. Quelques Pax nous accompagnent. Nous sommes, on va dire, en supériorité, pas numérique, mais stratégique. Ils ne savent pas que nous venons à leur rencontre et ça leur a créé une belle surprise. Silence radio, silence radio. Ça va taper. Ils ont pas de brassard rouge. Je passe par la droite, je contourne à droite. Temple out, temple out. T'es out les mecs? Moi du coup j'en ai out. Et en blanc, dans les blancs. Grenade. Ouais, je sais, mais je suis passé là. Reprends pas mon ref, j'étais allongé là, ils m'ont pas vu, je les ai shootés au PA. Putain, il est efficace ton camouflage. Mais parce que. Y a quoi, ils sont réapparus, non? Ouais, parce qu'ils ont un chaman et tout ça. C'est... Bien joué, les gars. Bien joué. Merci à vous. Bah, tu vois, Fred. Bah, c'est toi alors, si vous m'emmerdez. On a trouvé des artefacts. Il reste un camp là, à 20 mètres. Là-bas, ça c'est quoi ça là-bas? C'est un camp aussi, mais je suis passé. On peut fouiller. Ah, faut fouiller aussi. Après avoir raid le camp Merco. On cherche quelques petits indices, notamment des diamants et un petit bonus. Nous ne trouvons pas grand-chose. Comme je l'avais dit, nous n'avons pas correctement regardé les objectifs, car le chaman devait être capturé et ramené à notre camp. Nous sommes passés à côté de cet objectif. Je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait apporté de plus, mais la prochaine fois, on y regardera à deux fois avant de passer à une autre mission. La prochaine mission était de défendre le missile. Nos ingénieurs avaient réparé le missile, c'était prêt au décollage, mais il fallait le défendre à tout prix. Nous avons trouvé un emplacement idéal, situé à égale distance du missile et du camp Vortex. On était derrière une petite butte avec un tout petit ruisseau. Des arbres ont été bien placés. Ils sont fous là-bas. Il n'aura pas fallu longtemps pour que les premiers contacts viennent sur nous. Non, il y a trop d'arbres, il y a trop d'arbres. Rien. Il y a Lucas, il y a Lucas. Ne laisse pas seul, ne laisse pas seul. Ouais. Est-ce que t'as un visu? Ils sont à quelle distance? Ils sont à 25 mètres. Est-ce qu'une creuse, ça va le faire? Non, trop d'arbres. Ok. Il en reste en vie encore.
ça passe dans les fourrés de l'autre côté du chemin. Nous étions quand même équipés lourdement, on avait prévu le coup. Nous lancions successivement, un par un, une grenade. Grenade par-dessus. Grenade! Et comme par miracle, quasiment toutes les grenades ont fait mouche. Je découpille. Ouais, voilà. Je le vois. Il bouge de droite à gauche, de droite à gauche. Ça va. Putain, j'ai vu des chargeurs sur eux, quoi. Putain, out. Ça a permis de stopper l'attaque du camp Vortex et de faire gagner du temps à l'ingénieur pour réparer le missile. S'en est suivi après quelques petits échanges de tirs avec certains Pax isolés, mais ça n'a absolument rien changé au déroulement de la mission. Tu l'as vu ? Putain, bien. Il y a le deuxième qui s'est couché. Bien. Ah, il s'est couché, le deuxième. Le deuxième, il s'est couché. Vous avez vu ça ? Bien, bien. Un mort. Ça, Kicking Mustang, man. Ah, il est. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. On a plus de grenade, là ? Non, mais c'est lourd, là. T'en as une ? Ça sert à rien, c'est hyper lourd. Frérot, tu me connais pas, mon frère. Ils sont en fait. Tiens-moi ça. T'es sûr ? Ils sont où, là ? Ils sont où ? Non, non, avance-toi un peu plus. C'est très léger, c'est très léger. Mais oui, c'est pour ça. C'est léger. Mais non, oui, faut... mais c'était sûr. Je suis un fou, moi, qui dis. J'avoue, c'est super léger. Eh oui, je t'ai dit, quel connard. T'as plus rien ? Là, c'est ma dernière. Quel... Je suis content, je l'ai lancé. Alors, il en a lancé deux à côté. Une dans l'eau. Mais c'est pour faire un test, voir si ça pétait quand même. Et une dans le champ, comme un clown. Si j'en avais ramené deux de ma dernière personnelle. Bon, ben, on a claqué beaucoup, là. Et bon, reste une. Avant de quitter notre emplacement, nous demandons au commandement si nous pouvons bouger en direction du missile. Mission accomplie, le missile a décollé, le missile a détruit l'objectif. Nous demandons un véhicule et enfin, il est là. Ce fameux véhicule qu'on a attendu tout le week-end nous ramène enfin à la maison. On est en jeu, hein. C'est bon. Non, c'est pas qui, là. Non, c'est pas qui.
faire ça. Mais un irréductible joueur fait un barreau d'honneur et décide d'attaquer à lui tout seul le véhicule dans lequel toute la squad se trouvait. Je vous laisse les images. Fumez-le, fumez-le. Allez, à ton signal. Dégage, juste la balance. Faut éteindre. C'est la fumée, c'est rien, t'inquiète. Grimpe, grimpe. Dis pas stop. Ouh. Ça va, on est passé. Ouais, on est buté maintenant. Regardez, c'est vraiment une loyauté. Ouais, carrément. Voilà, on a terminé avec le gameplay. Passons maintenant au Retex. Et c'est très important, ne passez pas à côté de cette partie. Nous sommes arrivés à la troisième partie, le Retex, le retour d'expérience. Je vais parler pour mes collègues, mais aussi pour moi-même, bien sûr. Des chiffres. 50 euros de paf, 200 hectares de jeu, 148 joueurs inscrits et quelques invités, sur un max possible de 210 joueurs. Mais 138 joueurs le jour J, plus 8 orgas commandants, 1 PNJ et 1 pilote de char, 2 véhicules, 3800 euros de frais de véhicules et 7000 euros de budget global. Et donc, 3000 euros de frais divers, des bâches, location terrain, sacs de sable, containers et autres. D'autres chiffres ? Le scénario a été écrit en une heure. Bon, après, tous les détails, les objectifs, la mise en place, le comportement des PNJ, la budgétisation et surtout l'inscription des joueurs, rien que pour moi, ça m'a pris à peu près 100 heures de taf. Alors, on ne peut pas dire que l'événement soit une réussite, mais il y a pas mal d'éléments satisfaisants. Le déroulement scénaristique était très bon et d'autant plus simple à corriger grâce à l'application Ares Alpha, dont maintenant je ne saurais m'en passer. Le climax de l'événement s'est produit une heure avant la fin du jeu, avec la capture du missile Vortex par l'URSS Résistance et le décollage du missile. Donc, super. Et puis, les membres Bassin Airsoft, tous à des postes clés, ainsi que Adri de la fac, ont vraiment assuré. Vraiment. Bravo les gars. D'ailleurs, réunion pour l'OP suivante le 2 juillet. Ok ? Le vendredi soir, ça nous a mis déjà dans l'ambiance que ça allait être une OP assez physique et assez compliquée, vu qu'on ne connaissait pas du tout le terrain. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Nous avons comptabilisé environ 30 à 38 km de marche selon les membres de l'équipe. L'organisation était aux petits oignons. Nous avons eu un commandement comme jamais j'ai eu. Toutes les informations sont parfaitement bien passées. Il n'y a eu aucun couac d'ordre, de commandement, rien. Tout s'est très bien déroulé. Je remercie nos deux commandants pour avoir fait ce taf et d'avoir tenu sur tout le week-end. Le samedi, le briefing s'est très bien passé. Le commandement nous a expliqué comment ça se déroulait, les radios, bref. Il y avait déjà toute l'organisation qui était faites déjà bien en amont dans les groupes Facebook de chacun. Donc chacun était bien structuré. Il n'y a pas eu de « ouais, c'est quoi ta configuration radio ?» blablabla. Non, déjà, tout était en place. Tout était en place et c'est ce qui a permis d'avoir une fluidité de jeu non-stop. En termes de gameplay, ce qu'on a regretté sur le gameplay des autres joueurs, c'est que certains n'avaient pas pris la peine de créer un petit truc de post-apo. Mojo avait bien dit, il faut créer des petits goodies, il faut quand même s'impliquer soi-même, c'est donner quand même plus de grandeur, un plus à l'événement. Et quand tous ces petits plus s'alignent, eh ben, on est dans une immersion qu'on ne voit quasiment que très rarement. Et c'est ce qu'on recherche. Cette immersion, c'est ce qui fait le cœur de l'airsoft. En gros, faire des parties dominicales, c'est très bien, mais s'il y a des jeunes joueurs qui nous regardent, les parties dominicales, c'est bien. Il faut en faire pour s'entraîner, pour manipuler les répliques, pour tester le matos. Mais après, quand vous pouvez, quand vous avez la chance de connaître
des associations qui font ce genre d'événements, ben, foncez. Faut être préparé un petit peu, faut pas y aller la fleur au fusil, mais sinon, vous vous régalez. Le plus important, c'est d'avoir le bon état d'esprit. C'est un peu comme au rugby. Hein. Ben, vous prenez un bourre-pif, si vous pleurez direct, vous n'allez jamais revenir. Tandis que, bon, si vous faites preuve un peu d'abnégation, bon, ça fait mal, mais j'y reviens quand même. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux joueurs qui rejoignent notre squad. Ouais, on a mal aux pieds, ouais, on a mal au dos. Mais on continue, il y a des gens qui comptent sur nous, qui ont organisé, qui se sont fait chier à organiser pendant des mois, des semaines, tous les petits points d'organisation, de mission et compagnie. Donc la moindre des choses, c'est de leur donner le respect qu'ils méritent et de leur faire honneur. C'est comme quand vous mangez chez quelqu'un, vous dites pas c'est dégueulasse, vous goûtez. L'organisation, c'est 60% du taf. Cette organisation, déjà, elle commence par l'inscription. L'inscription est très importante. Vous devez montrer patte blanche. Un peu comme en botte de nuit. Si vous arrivez en claquettes chaussettes, le videur va vous recaler. Ça fait pas plaisir, on s'énerve, ça peut partir, ouais, c'est des cons, etc. Mais on va dire, c'est pour le bien aussi des autres joueurs. Les inscriptions. Nous procédons par groupe Facebook par camp. Comme ça, chaque camp ne voit pas ce que fait l'adversaire et comment se prépare l'adversaire. Ce qui améliore l'immersion du joueur. Les inscriptions sont contraignantes, mais loin d'être les plus compliquées. D'ailleurs, cela nous a valu quelques surprises. Quand vous vous inscrivez à un event, il faut se préparer et connaître les règles de jeu le mieux possible, même s'il y a des briefings avant le jeu, évidemment. Sinon, vous serez complètement paumé sur la partie. Et si vous ne faites pas ces petits efforts d'apprentissage, au mieux, vous vous amuserez un peu, au pire, vous allez perturber l'organisation. Exemple, lors de l'arrivée des joueurs le vendredi, une dizaine de joueurs ne savaient pas qu'on jouait le vendredi soir, alors que c'était la troisième information écrite sur l'événement. Si ces personnes n'ont pas intégré de simples horaires de jeu, elles n'auront pas intégré toutes les autres infos de jeu. Le dimanche midi, il y avait encore des joueurs qui ne pratiquaient pas correctement les règles de soins, alors qu'elles avaient été écrites sur l'événement depuis 3 mois, qu'elles avaient été répétées pendant le briefing et qu'il y avait même un format papier qui avait été distribué. Peut-être que ces joueurs-là ne sont venus que pour jouer entre potes et ne pas se prendre la tête. En soi, c'est compréhensible. Mais n'oubliez pas, et je ne serai pas le premier à le proclamer, un event réussi, c'est 70% les joueurs qui le permettent. Il faut s'investir pour rendre le jeu et l'ambiance la plus bonne enfant et la plus saine possible. Donc déjà, ça commence par là. Ensuite, la création d'un groupe Facebook spécifique va clarifier les choses et on va déjà voir avec qui on va jouer. On peut déjà échanger avec les différents joueurs et déjà, ça casse un petit peu la glace et ça permet de parler en amont et de s'organiser. Ensuite, le commandement. Le commandement a été mais d'une qualité comme rarement j'ai vu. Encore merci les gars, vous avez fait un travail monumental de roleplay, de don de vous-même, parce que des fois, c'est pas facile de gérer autant de gars, on était 70, et ça demande quand même une certaine paire et du charisme, et vous avez parfaitement rempli votre rôle. Et après, l'organisation, c'est-à-dire les trucs beaucoup plus pointus, Ares Alpha, les chars, ceci, cela, franchement, ça a été nickel. Bon, on n'a pas fait beaucoup de chars, nous, mais on a fait assez pour être très satisfait. La PAF était de 50€, c'est, pour moi, c'est même pas assez, parce qu'au vu de la qualité de jeu, de la qualité d'investissement de Bassin Airsoft, ça méritait bien 10 balles de plus. Ensuite, sur le jeu des joueurs, donc je parle là pour l'ensemble. Il y a des joueurs qui sont présents, qui sont là, qui sont dans le mood, qui ont bien compris l'ambiance, et il y a d'autres joueurs qui ne sont pas présents, qui sont juste là pour faire du frag. Et ça peut causer quelques petits désagréments au niveau de l'organisation. La moindre des choses, c'est de respecter les règles. Mojo sera d'accord avec moi. Vous devez apprendre les règles. C'est la base. Alors je rejoins Mojo là-dessus. Vous avez des gars qui ne savent pas comment soigner un copain,
qui ne savent pas comment se déclarer, qui ne savent pas qu'une grenade n'est pas obligatoirement déclarable. C'est-à-dire que vous pouvez balancer une grenade, vous prévenez pas, ben voilà. Et il y a des joueurs qui avaient encore ces réflexes de Dominical ou d'autres parties où il faut annoncer 40 grenades, non, c'est n'importe quoi. Là, on est vraiment dans de la simulation. Et même, l'organisation donne des règles papier. C'est-à-dire que vous avez un doute, vous avez le papier dans la poche, mais vous pouvez l'imprimer avant si vous avez voilà, un trou de mémoire. Ça arrive, ça nous est arrivé. On ne savait pas si le medikit pouvait être passé d'un médecin à un autre joueur, par exemple, en tout cas pour notre camp. Donc on a regardé les règles. Et voilà, on n'est pas infaillible, mais il y a quand même des petits pense-bêtes. Ensuite, l'implication dans des petits détails. Fabriquer ce genre de choses, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Pour quelques petits éléments, vous en avez pour 10 balles. Vous prenez un bout de ficelle. Voilà, vous pouvez faire une impression 3D en plus avec papy 3D, petit placement de produit, vous avez une réduction sur vos impressions. Donc voilà, ça coûte un petit peu en temps, en argent, mais au moins vous êtes vraiment dans le thème et pour les prochains événements, vous serez prioritaire. C'est comme ça que ça marche. Remarquez bien, plus en plus de parties sont difficiles d'accès. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de joueurs font en fait n'importe quoi. Et pour garder cette ambiance saine, eh ben, c'est à vous, ça vous incombe à vous-même, de vous créer une réputation. Et ouais, on me demande énormément quel type de partie, j'aimerais bien faire ça, ok. Mais tu dois quand même t'investir et pas venir juste consommer. Le joueur actuel consomme, il paye, il doit avoir. Ça ne marche pas comme ça. Dans le milieu associatif, tu consommes, il faut que tu donnes aussi. De ton temps, de ton argent, de ton expérience, bref. Et Bassin Airsoft, ça, ils l'ont bien compris. Pourquoi est-ce que Bassin Airsoft a un gros succès ? Parce qu'ils ont réussi à créer une communauté, une dynamique, un esprit sain. Et ça permet de créer des événements qui sont qualitatifs. C'est un tremplin vers des parties beaucoup plus immenses et des opportunités qu'on voit généralement que dans des pays étrangers. Et enfin, plusieurs équipes, pour la majorité que je connaissais, ont vraiment bien joué le jeu et apporté plus d'immersion, dont la MSOC 19. Merci les gars. L'utilisation des blindés sur un si grand terrain est intéressante. Par contre, les cheminements sont obligatoires, donc contraignants. Bref, les retex sont majoritairement bons, mais nous sommes conscients que certains ont passé un mauvais moment. Drame, on a même une équipe d'amis qui est parti au bout de 3 heures de jeu. 3 heures de jeu. 3 alors qu'il y avait 27 heures de jeu possible. Horrible. Car les OP ont fait ça pour les copains, pour les joueurs. Bon, aussi un peu pour soi. Mais l'intérêt premier est que tout le monde s'amuse. Nous ferons donc quelques énièmes ajustements sur la prochaine OP, dont des inscriptions plus sévères, puisque d'ailleurs le jeu sera encore plus orienté milsim et le contexte plus réaliste. Parlons maintenant de la préparation. C'est une préparation physique et matérielle. Vous ne partez pas la fleur au fusil. Vous pouvez, mais ça va être très dur. Ça va être très très dur. Il faut un minimum. Tout d'abord, d'avoir le matériel de couchage adapté et d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir être en autonomie. De notre côté, voilà, on s'est réparti les tâches et ça a bien fonctionné. On est quand même dans l'accompagnement pour que chacun ait une implication dans l'event. Ce n'est pas la parole divine, c'est comment nous, on s'organise dans l'assaut, que ce soit un joueur qui se greffe ou que ce soit un joueur qui est déjà membre de la MSOC 19. Sur les remerciements. Les remerciements, bon, ils vont être nombreux. Je vais commencer par les membres de mon équipe avec qui j'ai passé un super moment, la bonne ambiance. Des fois, ça m'arrive d'être un peu dur durant les OP parce que ben, j'aime bien quand c'est carré, j'aime bien quand ça se déroule, bien. Et les gars ont vraiment été, adorables. Ils ont parfaitement rempli leur taf, leur rôle, même pour les joueurs qui étaient venus de l'extérieur, que je salue, Sylvain, Lucas, Fred, qui se sont greffés à nous. Et ça a été un immense plaisir, un immense honneur de jouer avec vous. Même si c'est
un jeu, d'avoir une cohésion et avoir une stratégie, et chacun a amené son expérience, a amené, on va dire, son gras sur la table et a réussi et a donné un dynamisme lors de nos assauts, de nos trucs. C'était vraiment une super expérience et pour moi, ça reste l'une des meilleures. Je ne peux pas oublier Mojo qui m'a aidé à réaliser cette vidéo, tout comme Fred. Voilà, merci à vous et à toute l'organisation derrière. Merci aussi aux joueurs, alliés et adverses. Merci encore à tous ceux qui m'ont fait un petit clin d'œil quand ils m'ont vu. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous, je ne vous oublie pas. Vous pouvez sans problème venir me parler, on parlera de gear, d'équipement, il n'y a pas de souci. Voilà, merci encore. N'oubliez pas de partager cette vidéo, je sais que je parle beaucoup. De nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et compagnie. Je vous dis à très bientôt pour une grosse, grosse, grosse vidéo. Ciao, ciao. Mesdames, messieurs, portez-vous bien et à bientôt peut-être. Regardez, c'est Frédéric le YouTuber. Le YouTuber est tombé par terre.